Après, le fait que le jeu soit très beau, ça aide, hein. On va pas se mentir. Ça aide à mettre de l'ambiance. C'est-à-dire quand le jeu est dégueulasse et que c'est en polygone, bon. Créer de l'ambiance, c'est un peu plus compliqué, quand même. Bon, là, on va stimuler. Hein. Attends, le couteau ne permet pas de décrocher les serrures, là? C'est quoi, faut décrocher? Je sais que je n'ai plus de balles de rien, moi, hein, par contre. Hein. Faut juste stimuler la zone, non? Parce que là, on est dans une sorte de PLS intersidéral. Ok, la Vierge. Partie Est, partie Ouest. Cadenas. Clé en fer forgé. Puits. Ok. Il me dit pas les loot à proximité? Non, y a pas un bail comme ça? Genre là, quand je m'approche, il me dit. Ah si, il me dit des trucs, regardez. Crochet dans cette maison. Ok, excellent. Oh, par contre, je vous préviens, je stimule toute la zone là. Je vous préviens que je ne sors pas de cette zone sans avoir pas tout stimuli. Vous m'avez obligé à mettre ce putain de jeu en mode hardcore. J'ai failli crever 4 fois. Alors là, je vais vous dire, je vais aller chercher le crochet. Ah non, mais le crochet, c'est le truc que je dois ouvrir. Non, mais attends, mais je suis un connard. Ok, mais c'est open en fait. Non, mais dites-moi qui me donne les objets quand même. Attendez, je vais aller vers une maison que je suis jamais allé, tu vois. Genre celle-ci. Est-ce que la poudre noire, il me l'indique sur la map? Là, vous voyez, j'ai croisé une poudre noire, là. Oh non, sérieux, mais normalement ça indique. Oh putain. Oh non, mais là, ils abusent, sérieux. C'est bon, là, au bout d'un moment. Putain. C'est incroyable, parce que... Ça, dans le mode normal, ça doit afficher, mais dans le mode difficile, je vais me faire foutre. C'est toujours la même chose. Ces chèvres protègent notre village. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Je sais pas qui c'est, Mère Miranda, mais elle commence bien à me péter les couilles. Je vous le dis déjà. Oh, je l'ai pas encore croisé qu'elle m'a déjà pété les couilles. Attends, mais il y a une dinguerie là. Je peux pas rentrer là-dedans. Peut-être par derrière. C'est un mur porteur. Je pense que ça s'ouvre pas comme ça. On verra plus tard. Ah, bah ça c'est du spécial médaillon ça. Bon, j'ai aucun médaillon, évidemment. J'imagine que ça mène au château. Faut du loot, là. Ok, médaillon numéro 1. Excellent. C'est quoi, ça? Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Luisa. Attends. Si la calamité s'abat sur le village... C'est ce qui s'est passé, là, non? Là, c'était la calamité, un peu, là, ce qui m'est arrivé ou pas. Ou c'était pas la calamité. Attends, église, church, Lisa. Bah, là j'ai trouvé un médaillon, là. Là, cet endroit. Donc là, je suis à l'église. Donc là, il me demande d'aller chez Luisa, quoi. En gros. Et ensuite, je pourrais rentrer dans le château. Et je sauvegarde. C'est une très bonne nouvelle. Attends, y a pas de musique quand je sauvegarde. Alors là, je suis très de mauvaise humeur, là, je vous le dis. Quand il n'y a pas de musique dans un Resident Evil, quand vous sauvegardez, c'est un très mauvais Resident Evil. Parce que normalement, t'as une petite musique qui te fait du bien au cœur. Et là, mon cœur, il est tout peinot, là. Et il m'avait indiqué le puits. Alors, pourquoi il m'a indiqué le puits? J'en ai aucune idée. Ouais, bah, de toute façon, j'ai bien compris. Regardez. Si l'église est là, je pense que c'est là, non? Je sais pas, on s'en fout, mais c'est de l'autre côté, quoi. Ça, c'est pas vraiment le problème. Ça, c'est pour sortir. Le puits, je sais pas pourquoi il me l'a indiqué. Ça, je sais plus c'est quoi devant. Ah oui, ça, c'est le truc. Il m'indique des petits trucs de temps à autre, mais bon. En vrai, il m'indique les portes fermées, quoi. Tiens, dès qu'il y a une porte fermée, il me l'indique. Mais ça m'aide pas, en fait. Je m'en bats les couilles des portes fermées. Mais là, vous savez que je repars de l'autre côté, hein. Par contre, vous êtes sûr? Là, on est d'accord que je peux pas ouvrir le... On peut me spoil juste dans le chat? On est d'accord que je ne peux pas ouvrir la serrure, là? Là, actuellement, à l'instant T, là. Ok, merci. J'avais peur de rater une mécanique. Attends, mais c'est fermé? Ah, mais c'est grand-mère qui a... Ah, mais là, elle a pas fait le café, grand-mère, là. Attends, mais elle veut que je passe par où, grand-mère?
Non mais là elle m'emmerde là putain. Oh. Sérieux? J'ai trouvé un passage secret. Oh, elle m'emmerde putain mais elle a fermé. C'est grand merde là, elle m'a pété les couilles. Je ne peux pas passer. J'analyse le territoire. Il y a une petite porte là-haut, à droite. Ça me paraît impossible que ça soit là. Je vais quand même y jeter un coup d'œil. Oh. Ah non, mais là, je suis... Ah, c'est là, c'est là. It's here. Je stimule la zone. Stimuli. Je pense que ça s'ouvre, ça. Ça a une gueule d'ouverture. Ça s'ouvre pas, ça? Il y a une sorte de fœtus entouré de 6 ailes. Effectivement. Ça n'a rien à voir avec la clé. Je sais pas pourquoi tu me parles de ça, par contre. Ok, donc là j'ai une autre porte fermée. J'ai beaucoup d'endroits fermés, mais j'ai très peu d'endroits ouverts. Hein. Là je peux aller mettre le médaillon, mais ça va servir à rien, on est d'accord. Après je peux toujours le mettre, c'est mieux que rien. Je mets un médaillon. Bon, j'imagine que c'est là. Voilà. Ce n'est pas le bon morceau, pardon. Bah là c'est le bon morceau, là tu vas pas me péter les couilles. C'est juste qu'il en manque un quoi. Ouais. Et pour le deuxième. On va retrouver la suite. Hein. Bon, attendez, porte fermée là, porte fermée là. Là, y a, regardez, il y a une petite ouverture là, à droite de la porte là. Ah non, mais là c'est bloqué. Hein. Ici, c'est pas possible. Hein. Y a rien à stimuler. Ok, donc c'est pas là. Donc ça c'est fait. Et là c'est fermé, là c'est fermé. Ah, ouverture là et après à droite. Ça se tente. Non pas là. Là-haut. Je tente ça les mecs. Si ça, ça ne passe pas, je suis officiellement stuck. Mais bon, les chances que ça passe sont extrêmement élevées. Je vais être franc avec vous, je préfère... Oh putain, la fameuse manivelle. Ouais non mais là c'est bon là, regardez. C'était là, c'était là. Ça va, j'ai pas mis trop longtemps en vrai. Ok. Donc là je suis de l'autre côté, ouais. Ok. Nice. Oh putain. Oh non, s'il vous plaît. Je... Non, 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 c'est bon. On a passé un passage difficile. Non, mettez pas un autre. Oh, let's go, j'ai stimulé ça. Oh putain de merde, qu'est-ce que je suis fort. Attends, mais là, vous savez que je peux peut-être faire des balles. Hein. Oh, j'ai fait un fluide. Ah, il manque une ferraille. Ouais, mais ça, c'est de la merde. C'est quoi ces herbes hautes, là? Je suis passé sur le côté, comme ça. C'est quoi ça? Ah bah let's go. Là c'est des balles par contre. Hein. Merde. Ah j'avais une ferraille. Enfin j'en avais zéro. Ça ça m'emmerde. Et vous savez qu'on peut passer à travers? Ah non. Ok, je regarde un peu la carte. Chandelière là. Bon c'est vraiment histoire de faire peur j'imagine. On va entendre des bruits et tout. Attends, non, non, non. Je le vois là. Je le vois de ouf en vrai. Je vais faire moins de bruit, je pense. Merci beaucoup, Anto, pardon, pour les 18 mois. Foufromi pour les 3 mois. Merci beaucoup, Dripeka pour les 4 mois. Amor, merci beaucoup, Peltorus pour les subs offerts. Shakiel. Ouais, vous avez sub pendant que j'étais le stock là, je vois très bien le moment. Oh let's go. Alors ça se recharge instantanément ces deux balles. Et en plus, on est Gucci les mecs. Alors ça c'était vraiment pas... Attends, qu'est-ce qui se passe? Je voulais... J'ai plus envie de jouer. Je vais continuer pour le plaisir, mais... Après, j'étais peut-être pas full vie, en vrai. J'étais full vie, en vrai. En vrai, si j'étais genre dans le mal, j'ai pas perdu d'HP, tu vois. Non, arrêtez, j'étais pas full vie, je m'étais fait toucher et tout, je pense. Enfin, après, moi, je me fais jamais toucher de base, donc c'est pas grave. Par contre, là je pense vraiment qu'il va falloir la jouer sneaky, hein, parce que là, il y en a vraiment, hein. C'est pas pour faire peur, là. Attends, c'est un loot ça? C'est quelle couche pour passer? Attends, t'es en train de me dire que je peux pas passer ça là? Attends, Didier, t'es pas sérieux? Attends, mais là, vous voyez bien qu'il y a un mob là?
Attends, là je ne peux pas passer cette barrière. Alors qu'ici je peux là. D'accord. Très bien, donc c'est juste pour me péter les couilles, on est d'accord. Là mathématiquement parlant, à part me péter les couilles, il n'y a pas d'autre explication là. On est d'accord. Ah, c'est bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Allez, bah c'est pas grave, on va se taper le... Merci Nogenora. Merci beaucoup. Bon. Bah moi j'ai vu un loot à gauche donc j'aimerais bien y aller mais bon là il y a du monde. En vrai je m'accroupis hein. Je m'accroupis comme ça mais j'ai peur de me faire peur moi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que je devrais pas juste les front les mecs tu vois? Je sais pas si je dois front. Parce qu'en fait je sais pas où ils sont. Et oui j'ai l'impression qu'ils se repèrent à l'odeur et... Là y'a quelque chose devant moi là. Là ça se voit qu'il y a quelque chose devant moi là. Je pense qu'ils ont fait en sorte que tu puisses pas les esquiver. À moins que je sois vraiment monstrueux mais... Oh. Il m'a vu. Quelqu'un n'a pas eu peur? Attends mais je suis mort là. Non mais ça... Ok, my bad. Merci Kozai. J'avais rien fait depuis ce passage là. Je m'étais juste perdu, non? Aucun drop. Bah d'ailleurs j'avais fait tout le tour pour rien en fait, si j'ai pas de conneries. Bah c'est bon. Ouais. Ah j'ai vérifié un truc. Je me rappelle plus si sur le banc j'avais bien pris la petite poudre. J'ai envie de vérifier la petite poudre. Parce qu'en vrai me mettre une petite poudre comme ça en plus c'est vraiment... Je vérifie juste que j'ai pris la poudre sur le banc mais sinon je crois que j'avais rien loot. Hein. Ok bah en vrai ma sauvegarde elle était pixel. Hein. J'ai bien fait de sauvegarder là. Au pire tu fuis là. Ah tu penses que je dois encore fuir là? Ah j'avais pas mis le médaillon mais bon après c'est pas très grave en vrai je peux le garder sur moi je pense. Vous voulez que j'aille en mode bourrin là? Ah ouais ça se tente hein mais... Bah, je me suis bien entraîné... Attends mais j'ai loot ici? Ah non. Il y avait plusieurs... Oh il y a bizarrement un sac à farine. Il veut que j'emmène les ennemis ici? Une mine? Attends mais je fais une dinguerie avec ça. Une mine anti-personnelle ça veut dire que... Elle en veut à personne. Attends comment je l'active? Les mecs, je vais faire une dinguerie. Mais attends, mais comment ça se fait que j'ai raté ça tout à l'heure? C'est pas cette baraque que j'ai loot? C'est quoi ça? Maintenir. Mais comment ça se fait qu'il y a encore ce genre de bail? Ah, et vous savez que c'était pas cette maison que j'avais loot. Hein. C'était celle-ci, je crois. Hein. Ah, c'était celle-là, il y avait deux maisons. Bah, ma mort m'a fait gagner une maison. Ouais. Je suis très très bien, là. Alors là, on est turbo Gucci. Et je vais pas me tromper de touche, hein, je vous le dis. Je vais la tirer, je vais lui mettre dans la mine. Je vais la tester déjà. Ça va me permettre de train. Et je crois qu'il y avait de la ferraille de l'autre côté. Ok. Les mecs, je vais être pixel là. Regardez, je vais chercher la ferraille. Elle est pas là la ferraille? Non, là c'est de la poudre. Il y a pas de la ferraille. Voilà. Là, il y a la maison là. Et après, je repars. Je vais sauvegarder. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Là, je vous jure, je suis en pur trial. Moi, il dit que j'étais en mode hardcore. On va faire le mode hardcore. Là, je prends la caisse, je sais pas où elle est exactement. Merde, je trouve pas la caisse. Elle est là. Ok. Là, je repars. Je m'en bats les couilles, je vais sauvegarder. Vous pouvez me traiter de chiotte, j'en ai rien à foutre. Ça s'appelle de l'optimisation de temps. Hop, ça recharge ici. Allez, hop, une petite sauvegarde. On va même fabriquer les munitions avant de sauvegarder. Et là, je vais avoir une sauvegarde. Elle va être Gucci là. Voilà. Oh, la meilleure sauvegarde de tous les temps, mon pote. Viens là, toi. Allez, c'est moi qui régale. Allez, on peut y aller, mon pote. Je suis ready. Ah, j'ai pris mon temps, j'en ai rien à foutre. Hein. Live ou pas live. Et là, bah là, je peux mourir en boucle, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, je vais quand même tenter la mine. Parce que moi, je suis très très bon avec tout ce qui est mine, grenade de base dans les jeux multi. Donc, je pense que ça peut vraiment le faire. Donc, en gros, là, il y a le serpentin.
Je le mets à gauche du serpentin, un peu en bas. Attendez. Voilà. C'est-à-dire que je vais la mettre là, et moi je vais passer en longeant la truc. Lui, il ne va pas le faire. Et ça devrait bien se passer. Ok. Donc là... Attends, elle explose... pas d'un coup, hein. Elle attend que ça marche dessus, hein. Ok, donc là, je la tire. Ok. Ok, je la tire un peu, là. J'essaie de faire du bruit et tout. Il est où? Ok, je crois que c'est bon, je la tire un truc. Ah ok. Pixel. 100% du chat s'attendait à ce que je fasse de la merde. J'annonce. La déception que je vois dans mon chat Twitch actuellement est vraiment décevante. Ok. Oh la balle dans la tête. À la manette, hein. Oh la balle dans la tête encore. Attends, mais je suis stratosphérique. Hop, on recule un peu. On vise la tête dès qu'on peut. On se protège vite fait. Ça n'a pas trop marché par contre. Oh le bâtard. C'est bon. Non, je meurs pas là-dessus. Y a pas un monde où je meurs là-dessus. Mais c'est pas possible. J'ai oublié de mettre une. Attends, il mange quoi là ce connard? Je m'en bats les couilles, ma sauvegarde est la meilleure sauvegarde du serveur. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Regardez cette sauvegarde de fou. Je sais pas si je dois courir, hein. En vrai, au pire, je me barricade et je lui mets des balles dans la tête comme je faisais. Bon, on refait la technique de la mine. Parce que au pire, moi ce que je propose, je me barricade là-dedans. C'est là, hein. Voilà. Je me barricade là-dedans et je lui mets des balles dans la tête au deuxième. Attends, mais là je l'ai pas placé comme tout à l'heure là. Je fasse un peu attention quand même. C'est dommage de se la prendre comme une merde. Ok. Ou alors je fais proc les deux monstres, hein. Double aggro. Je crois que je suis sur une double aggro là. Je suis sur une double aggro. Oh, je suis pixel. On longe. Oh là 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 là. Oh merde. Bah attends, mais il est touché quand même. Mais putain, quand je te tire dessus, tu tires pas en fait. C'est moi qui tire. Attends, mais pourquoi il y en a trois là? Ok, on va se barricader. Je peux pas me heal là? J'ai pas fait de dentile. Ok, vas-y, on se barricade en attendant. J'ai pas fait de heal, moi. Là, t'es en train de me dire que j'ai pas de heal dans mon historique, là. Non, mais il fait quoi? Putain, mais l'autre il va péter le mur de l'autre côté. Allez, c'est... Putain, c'est quoi ces zombies? C'est pas comme l'autre jeu là. Je sais pas où il en est derrière. C'est pas possible, y'a un bug. Je tire plus dans la tête là, je suis full tilt. Au pire je run, hein. Y'a pas du loot là? Vas-y, hein. Bon, ouais. Je sais pas pourquoi je tire dans le jeu de fils de pute. J'ai plus de raison de tirer dans le jeu. J'ai aucune idée s'ils me chase. Ils sont totalement en train de me chase en fait. Fermez la porte! Vite! Attends, mais t'es sérieuse là? Oh, non, mais je te ramène 40 monstres là! Hey, vous faites quoi ici? Approche pas! Pitié! Vous faites pas de mal. Attends, mais moi je suis du côté du bien, moi. Calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Merci sous Spimon pour le Prime. Je suis tombé sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Attends, mais Louisa, c'est la bénédiction, là. Pas et le portail est fermé. Tais-toi. Elle n'est pas d'ici. Moi, je suis pas d'ici.
Alors là, c'est mal me connaître. Hein. C'est quoi ça? On est en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Ta gueule. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Non mais Ethan, tu te fous de ma gueule là? Pourquoi tu prends des initiatives là? Ok, moi j'ai un plan B moi. On donne le vieux à manger et on fuit avec... En plus vous êtes jolie et puis Mia elle est plus très belle. Bon bref. On va passer par là. Bon j'ai raté du loot hein, c'est une catastrophe. Hein. Bon là c'est interagir objet. Oh! Attends mais vous savez que je peux monter sur le toit là? Non. Franchement c'est le meilleur jeu de la planète si c'est possible. C'est vraiment très très... J'en suis combien au niveau des munitions? C'est absolument open. Le truc c'est que j'ai pas pu loot toute la zone. Hein. J'ai dépensé des balles mais... Tiens, mon papa. Tu penses que je rouvre là? Oh, ça s'est calmé par ici? Il faut qu'on fasse quelque chose. Pas vraiment. Mais ouais, mais j'ai pas clear la zone aussi, je suis un connard. Putain. Attends, mais. Ah non, mais c'est... elle est inclairable la zone. Non, mais la zone est totalement inclairable. Par contre, vous savez qu'il y a un loot là sur la droite? Je suis désolé parce que moi je suis un stimuli player, mais. Je sais qu'il y a un loot ici. Je suis obligé, il faut que j'aille le voir. Je pense que c'est aucun risque. C'est juste ça. Je fais ça, je repars, je vous promets. Ok, je vous ramène des potes. Bon, ton père, c'est fini, hein, je te le dis. Si on te pêche pas, ils vont... Ok. Alors, ça a l'air d'être une safe zone parce qu'ils ont pas l'air de pouvoir chase. Hein. Maintenant, j'ai aucune solution, quoi. Les mecs... Vous vous rendez compte du monde qu'il y a? Entrer chez Louisa, ouvrir la porte du château. Il veut que j'aille là, non? Les puits, ça serait pas des TP, genre? Genre, tu TP de puits en puits? Un peu comme les... Un peu comme les chaudrons dans Banjo, genre. J'ai envie de sauter dedans, là. Ça me pète les couilles. Attends, mais pourquoi tout le monde me spam petit croco aveugle? J'ai raté quoi là? J'ai raté une dinguerie là? Attends, je relis parce que là tout le monde me spam petit. Entrer chez Louisa, ouvrir la porte du château. Mais à quel moment je suis censé savoir où est le château là en fait? Mais attends, mais vous foutez de ma gueule. Hein. Mais pourquoi tout le monde. Ah, mais vous dites pas que c'est juste ça quand même. Ok, d'accord. Alors, pour ma défense, parce que je vais devoir encore, comme d'habitude, me défendre, à partir du moment où je ne peux pas monter ici, je ne me pose pas la question si je peux monter autre part. Ce qui est tout à fait normal. Donc, encore une fois, on peut potentiellement dire que c'est la faute du jeu et pas de ma faute. Après, certains diront que je suis de mauvaise foi, mais bon, j'ai l'habitude. Seuls les vrais multigamers. Oh, ça, c'est un toilette à la turque, non? Ah non, pas du tout. Si? Attends, non, me dites pas que c'est un truc pour prier, que je viens de faire de la merde. Là. Non, c'est quoi? C'est quoi cet endroit? Bon, je vais fermer ma gueule aussi. Ok, nickel. Bah, on peut ouvrir ici, mais je vais quand même loot un peu avant. Un morceau de relief est à l'intérieur, il suffirait de retirer une vis. Ok, donc il faut un tournevis, quoi. Bah là je pense que je peux ouvrir, non? En vrai de vrai. Le truc c'est que j'ai pas forcément envie de le faire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si ça se trouve je peux prendre mon temps pour looter là. Ah ouais non. Ah non d'accord, ok, c'est scripté, ça va ça. Bon bah je prends pas mon temps mais je pense qu'il va m'arriver une dinguerie là. Je vais ouvrir la porte avec une dinguerie là. Non c'est fine. Venez, c'est ouvert. Tag.
Oh non, mais sérieux, non mais frère, on se tape Franklin la tortue dans le groupe là, on va jamais y arriver. T'en as mis du temps. Attends, mais. Ouais, c'est ça de rien là. Il a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, ça c'est sûr. Hé! Vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Oh là là! Oh mais qu'on le termine maintenant là, là il est bien là, là je le vois bien dormir pour l'éternité comme ça là. Il faut que tu t'accroches papa. J'entends des bruits chelous là. Attends, il se passe des dingueries là. Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Qui? Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Ah. Alors, elle a reconnu ta voix mais... Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Julian, du calme. C'est qui mon lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Ah, je suis complètement d'accord, on laisse dehors! D'aide. C'est pas mon problème! Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous! Ah non, moi bon, je veux pas, moi! Ces gens sont nos amis! Hein? Allez-y, entrez! Venez, par ici! Vous n'êtes pas de ce village? Ethan, 4ème B, au collège. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Let's go. Entrez, Ethan. Let's go. Restez ici, je vais voir les autres. Et moi je vois une belle sauvegarde à droite là. Oui, c'est une belle sauvegarde. Est-ce que je loot un peu avant? Ou je sauvegarde direct? D'accord. C'est cool, on peut pas voir, mais c'est cool. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quand Ernest qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Suivez-moi. Attends, j'ai pas sauvegardé. Au niveau des balles, hop, hop, au niveau du loot. Ok, bon bah go sauvegarder comme ça. Ok, je pense que je suis à 50% du jeu là à peu près. Venez, les autres nous attendent. Ah. Oh putain, ils sont tous bourrés. Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. Anton, du calme. Attends, entre un étranger et l'autre qui est mourant, excuse-moi, mais c'est quand même meilleur. Très bien, sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Merci. Merci, Louisa, merci. Vous êtes les seuls survivants? C'est Crine. De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Oh, tu veux... Un pauvre... Tu veux quoi de Wagby, là? Une conne qui arrête pas de chialer? Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Il est fou de bourrer. Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais l'enveilleuse, Roxana... Ça suffit! Elle a un nom de boisson, mec! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Ouais, il est dehors, t'inquiète. Il est parti chercher de l'aide. Ah, mais j'ai peur que ça soit qui je pense, hein, par oui, contre. Oui, hein. Voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Oui, d'accord, oui. Elle l'a peut-être trouvé. Hein. Pour lui. Pour nous tous.
Allez, prions. Bonne idée. Venez. Approchez. C'est vraiment une équipe de branquignoles qu'on a là, on est d'accord là. Je suis actuellement la personne de meilleure santé là. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble. Il va y avoir une dinguerie là. Nous demandons. Depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève, portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Vous avez vu, je suis des vôtres, hein, je la connais par cœur. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Oh, il me pète les couilles. Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Mais ma gueule. Ça ne va pas ? Transforme. Ok, donc lui, ça c'est terminé. Bonjour. Maman ! Elena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Ah non, 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 là, non, là. Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Oh non, 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 mais attends, à quel moment je dois jouer là ? Non, mais putain ! Mais putain, je suis un connard. Elena, Elena, mets un coup de boule. Lâche-le. Ah, merci. Oh, let's go, Elena. Tu m'as fait économiser une balle. Pixel. Attends, elle a tiré sur son père, là. Ça suffit. Oh, Elena, let's go. Hey, j'ai géré zéro balle. Hein. J'ai bien fait de faire de la merde. Hein. Tellement pardon, papa. Oh non, mais là, c'est plus papa, de toute façon. Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Allez, prends-toi ça dans la gueule. Elena, Elena, non ! Y'a plus rien à faire ! Maman ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Mais mec, j'ai géré en vrai. Là, il y a beaucoup de joueurs qui auraient perdu des balles et je suis peut-être un des seuls joueurs à avoir économisé toutes mes balles sur cette cinématique. Je suis plutôt satisfait là. Parce que là, j'ai gardé mes deux balles de pompe. Hein. Parce qu'à tout moment là, oh d'ailleurs, j'en ai trois. Je sais pas pourquoi j'en ai trois. Je vais stimuler la zone. Dommage qu'on puisse pas prendre la voiture. Oh. Oh putain. Non, vous rigolez là. Me dites pas que je vais conduire. Non, parce que là, vous allez me rendre heureux en fait. Faut juste que. Donnez-moi un peu de loot quand même. Et après, je conduis. Faut vite que je trouve une solution. Ah bah je vais défoncer avec la voiture. Oh y'a une plante ? Où ça ? Attends quoi ? Je les drop ? Ah non elle est là. Putain les enculés ! Par contre la thune je sais pas à quoi elle sert pour l'instant. Shishaburidana. Ok. C'est bon, j'ai compris par contre. Il faut partir, monsieur, hein. J'appuie sur B là quand même, là. Hein monsieur ? Vous avez pas. Non, le jeu n'a pas planté. Non, je rêve. Je vais péter un câble. À moins qu'il faut faire quelque chose. Non. Non, mon jeu n'a pas planté là. Non, je suis. Ah non, pas du tout, ok. Allez, ben... C'est pour moi le chat, c'est moi qui rigole. Attends, il y a un tournevis dedans ? Ça veut dire qu'il y avait une vis tout à l'heure que je devais dévisser à l'extérieur. Et des balles de pompe. Oh, let's go, j'en ai 5. Ok, les amis, c'est excellent. Du verbe exceller. Et un petit papier. Si tu as besoin d'un tournevis, prends celui qui est dans le... Ouais, ok. J'ai ouvert ça ? Ouais. Ok, le tournevis, c'est pour la vis. Le problème, c'est que... Merde ! Le feu gagne du terrain. T'inquiète, t'inquiète. Le problème, c'est que...
Faut que je retourne à l'endroit de tout à l'heure, quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que le tournevis, il va me servir en permanence, quoi. Vous allez faire quoi? Là, je vais foncer dans la porte, là. Je vais tenter quelque chose. C'est moi qui conduis? Ah bah, apparemment. Ah bah si. Ok. Non, mais dites pas que c'était pas ça qu'il fallait faire. Ça passe, non? De toute façon, je peux pas faire autre chose. Bah voilà! Attends, j'ai Ronan? Ethan! Ethan, est-ce que ça va? Ouais. Ouais, mais... Laissez-moi essayer! Ça brûle! On n'a plus le temps! Faut que je sorte là? Non, j'ai Ronan? Je veux pas y croire! On n'a plus le choix, faut monter! Ah oui, let's go là! Il y a des petits escaliers! Vas-y, viens, viens, viens! Venez, vite! On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Allez. Ça va aller. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. Touchez pas le feu, c'est dangereux. Ma famille est à l'abri. Ma famille? Ouais. Une fois dehors, je vous la présenterai. Attends, il y a une bête de cinématique, là. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Attends, je stimule la zone et j'arrive. De toute façon, on est large niveau temps là. On va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas aller s'affronter. Il y en a trop. Mais non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous. Papa ? Oh non, putain ! Elena. C'est trop tard. C'est plus lui. Oh merde. Il me reconnaît. Papa. C'est trop dangereux. Ah. Bougez pas. Quelle éconne. Tenez. Attrapez ma main. Bah, elle va mourir. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh, regardez-moi. Allez, mais donne ta putain de main et me pète pas les couilles! Oh, quelle merde! Mais pourquoi est-ce que tout le monde. Elle m'a mis bien avec sa phrase. Bah, si t'as des plus grosses couilles? Tu l'aurais tenu par la main pour qu'elle aille pas voir son père, en fait. C'est ça ton problème, Ethan. Fallait être plus strict, là. C'était sûr que ses sentiments pour son papa allaient la faire aller vers lui. Moi, je dis la vérité, hein, parce que bon. Bon. Après, ça nous fait une personne de moins à nourrir. C'est pas mal. Le problème, c'est que ça me fait perdre un bouclier anti-monstre. Donc, on n'est pas si bien. C'est comment, là-haut? Et moi, faut que j'aille tester le tournevis, par contre, hein. Mais non, c'est pas un cauchemar. Mais pourquoi ça commence? Oui, bon, ça c'est vrai que ça devient chiant là. Ça fait il y a 3 ans maintenant, ça fait beaucoup là. Ethan. Si ça peut te détendre, Ethan, on va enlever le tournevis là et ça va être marrant. Ethan, là c'est possible qu'on ait une petite dinguerie là-dessus. Et ça va te redonner du baume au cœur. Ok. Pixel, maintenant, je dois aller au château, quoi. J'imagine que je peux pas sauvegarder, évidemment. Donc là, il y a des petits problèmes. Là, je peux pas ouvrir, je pense. Ok, donc là, ça va être très tendax, là. Parce que là, bizarrement, ils m'ont donné quelques munitions, donc... Miranda! Ah! Hey!
C'était qui? C'était quoi ça? Attends, mais Mère Miranda n'a pas l'air très gentille quand même là. Vous êtes sûr que vous... J'ai pas looté par là. Oh, passage secret? Dinguerie, on loot? Je sais pas où aller parce que là je fonce vers la mère Miranda quoi. Oh les mecs, faut que j'atteigne la sauvegarde qui est à droite là. C'est vraiment ça le point clé là. Faut que j'atteigne la sauvegarde. C'est une question de vie ou de mort. Oh putain, y'a mamie. Attends, mais comment mamie est passée devant mère Miranda sans die là? Mamie, faut qu'elle m'explique là, elle fait des dingueries. La mort. Oui, on a compris, mamie. Oui. La mort leur a tous rendu visite. C'est là que je sauvegarde, moi. En vrai, je vais au château et je vais terminer là-bas, non, parce que je retrouve ma fille. Donc là, je dirais que je suis à 80%. Je vais mettre les deux médaillons. Tu veux absolument que je le mette dans le bon ordre, là ? Ouais, 15%. Ouais. 15% de. Il a dit quoi? Merde, j'ai pas lu. Vous m'avez pété les couilles, pourquoi je lis mon chat Twitch? Est-ce que je vais sauvegarder ou est-ce que je suis vraiment une sale merde à ce point-là? Non, quand même pas. Hein. Je vais pas sauvegarder au point de sauvegarder après deux médaillons quand même. Attends, ici c'était quoi qu'il fallait? Je me rappelle plus. Ah non, c'était une vis. Mais j'ai pas ça. Non, je vais pas sauvegarder. Rien d'autre que le sang et la mort. Ok, ok. Oui, il a répété ce qu'a dit Elena avant de sauter dans les flammes, quoi. Donc là, si j'en suis ma carte... merci ma DRA pour les 16 mois. Si j'en suis ma carte, je vais au château. Donc j'ai géré un peu toute la partie... Alors par contre, il y a des trucs que j'ai pas fait. Hein. Je sais pas s'il fallait les faire, mais... Les crochets, j'ai toujours pas compris. J'espère que je vais revenir ici un moment. Là, j'avoue que... Mais j'ai pas clean up la zone, quoi. Ah, j'aime pas l'eau, moi. Je suis vraiment... L'eau, je déteste ça. Allô, ça me pète les couilles. Ok, j'aime bien. J'aime bien un peu là, c'est... Les marches sont très jolies. Il y a des tonneaux. Il y a à manger. C'est pas un endroit dinguerie là, ici. Là. Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. C'est ouais. Kyo. Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. T'as des pouvoirs, là? D'accord. Mère Miranda va t'adorer. Oh, mais là, vous me one-shotez, là, quand même, là. Non, mais attends, c'est quoi, c'est... Attends, mais c'est les X-Men ou quoi, là? What? Arrête de geindre, on y est presque. On dirait Hank dans Détroit. Ouais, il lui ressemble de ouf, t'as raison. T'as raison de ouf.
Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme. Et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. Attends, ça dépend comment on s'amuse, parce que moi ça peut m'intéresser. Si vous confiez ce mortel, ça m'intéresse pas. Mes filles et moi-même. Ah, ça m'intéresse encore moins là. Donc. En gros. Fermez-la, vous deux! En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. Son petit oiseau, c'est une référence à quoi, là? J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. On me libère! Le sort de cet homme est entre tes mains. Open! Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui conteste la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Lico! Les messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu! Nous voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Non! Non! Oh non, 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 4, 3, 2, 1, le spectacle commence! Et c'est le speedrun qui commence! Ah, putain de merde! C'est ça! Cours pour ta vie! C'est très bien, Ethan! C'est vrai? Ça te plaît, là? Bah, c'est terminé. Ah non, mais pas Hagrid, c'est bon, là. Bah, attends, mais c'était inesquivable. Ok, je suis en train de glisser, là. Attends, mais je suis mort, en fait, là. Ok, 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 ok. J'ai fait Aqualand, tout va bien. C'est pas possible, c'est un endroit de fou en fait. Toujours en vie. Impressionnant. Ok, j'aime pas ça, faut réfléchir très vite là. Et très bien sauf. Je suis réputé? Oh! Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir? Si? Mais brise! Je dois continuer. Je peux pas briser? Donna et Moreau. Bah, c'est il open. Est donc temps de passer. Ah, la thune! Let's go! Ah, let's go, la petite thune là! Attention, ça va saigner. Rien de tel que la viande hachée américaine! Je suis quand même la seule personne. Ah, sur Resident Evil 8, à cet endroit-là, c'est ces barges à avoir looté l'argent en survivant. Je pense qu'il n'existe aucune personne au monde qui s'est permis de loot tout en survivant, tout en ne sachant pas où fallait aller. Hein. Je suis stratosphériquement fort sans le faire exprès, bien entendu. Parce que je pensais que c'était la solution, c'était de looter en fait. Donc là, il pense que je suis mort là. Mais en plus, il m'a laissé mes armes sur moi. Par contre, les mecs, enfin, c'est des gens qui sont imbattables, là. Là, je vois les... C'est des gens avec des pouvoirs de fou, en fait, donc bon... C'est ingérable. Ça, c'est du vieux prank, ça. Je reconnais, là. Il y a du loot, là, ou pas? Parce que c'est vrai que j'y suis allé un peu en roue libre, là.
J'ai l'impression que c'est plus un jeu de course qu'un jeu de loot hein, pour l'instant. Bon. Ah bah voilà. Et bah c'était... On reprend où on était bordel. Alors, avant qu'on me pète les couilles, j'en étais à faire ça. Bah voilà. Et la boucle infinie ouais. Ça aurait été très marrant qu'une autre personne, genre une autre tu vois, une des grandes personnes là, revienne et me chope, mais... Apparemment ils ont pas d'humour à Capcom. Oh putain, mais ça c'est la sortie, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Putain, le jeu est trop beau. Je sais pas comment il rend en stream en vrai. Parce que forcément vous perdez en qualité, mais... J'ai l'impression que vous avez moins de luminosité que moi aussi. Y'a la meuf qui fait quand même deux fois ta taille. Ouais, j'ai vu, mais bon. C'est pas celle qui me fait le plus peur. Hein. De loin, En vrai, ça va, ça passe, ça va. Ouais, bah forcément, après, c'est forcément moins beau. C'est forcément moins beau en stream quand même, quoi. En vrai, moi, je le trouve très beau, là. De ce que je vois, moi. Oh, putain. C'est la fin du jeu, là. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? What ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Plus je vais lui acheter des trucs. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Il est trop ici. Bien. Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, remèdes... Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. À votre service. Alors... Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Besoin d'argent. Ah oui, je vends des objets. Oh, le crâne. Ah oui, donc le crâne était très intéressant à vendre. Je le vends, le crâne. Hein. On est d'accord. Hein. Ok. Alors, je regarde en speed. Alors, c'est quoi ça? Je n'arrive pas à lire. Valise augmente le nombre d'emplacements disponibles dans votre inventaire. Cartouche de fusil. Attends, j'ai que 1900? Non, vous déconnez. Non mais attendez, j'ai fait de la merde. Non attendez, c'est pas possible. Attends, les mecs, j'ai rundown ou c'est pas possible? Tu as farm aucun mob. Non, là, il y avait des gens qui avaient 3000 plus. Je ne peux rien faire. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Normal. Ok, il y a quand même plus de gens qui me disent normal que j'ai déconné, quoi. Ici, t'as 10k max. 10 000 max. Mais j'ai 1900, frérot. Mais c'est terrible, faut que je relance le jeu, là. Les mecs, il y a des gens qui sont full stuff là. Ils augmentent toutes leurs capacités. Je vais encore être avec mon pistolet de base et tout. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai branlé, mais rien. Non mais les mecs, putain, mais moi j'aime pas quand je rate des trucs. Hein. Non mais les mecs, j'ai stimulé comme un porc. Château Dimitris... Il a dit cul. Ok. Ambiance assez zen en vrai. Est-ce que Rose est ici? Il y a une petite sauvegarde là. Livraison d'un homme et de trois femmes. Entretien avec Madame Dimitrescu. Je vois, oui. Intéressant. Très intéressant, oui. Ok. Attends, mais c'est de la poudre, ça? Vous savez que je mets un coup de couteau, hein. Oh, ça c'est un plus 500 ça.
Attends, mais ça, ça vaut une fortune, hein. Mon level. Merci beaucoup, Ace, pour les 2 ans. Merci, frérot. Bon, écoutez, là, je peux pas mieux stimuler, hein. J'ai pixel la zone. Vas-y, on ouvre la porte, hein. Et il est trop beau, le château, putain. Mais il est trop bien, ce Resident Evil. Il est incroyable, le château, je le kiffe. Ok, donc ça, ça se casse. Oh, je suis en train de turbolooter, là. Oh, les mecs. Ça ? Non, sérieux ? Ok, bah c'est fini. J'ai terminé. Il y a une porte devant, j'avais pas vu. My bad, my bad. C'est mes pas hein, qu'on entend. Hein. Non mais ça c'est rien ça. C'est un chat. C'est pas une plante bidule ça? Ah bah ils sont cool, ils m'ont mis une musique. Attends mais je me dis pas que j'ai fait tellement peu du jeu que la musique des sauvegardes d'avant c'était de la merde quoi. Et que là le château c'est le vrai jeu genre. J'ai quand même fait un bout merde. Labyrinthe de Norchemin, artisan de fin du 19e siècle, Norchemin fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes, le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il s'est mis un pistolet sur la tempe et se donna la mort. Le château sur la colline, je sais pas s'il parle de ça. Ok. Attends, c'était l'intro, mais c'était une intro quand même de... Il y avait quand même un peu de jeu, quoi. J'ai quand même fait 10%, quoi. Restituer le visage des 4 anges. Et j'ai pas le temps de lire. Il fait quoi? Tu cherches Rose? Le sang d'un homme. Je crois qu'elle me kiffe là. Mère, voici une nouvelle proie. Attends, c'est qui Mère là? Vous êtes si gentil. Oh non putain, c'est bon, c'est pas reparti. Mais c'est pas possible. Bien, jetons-y un œil. Waouh, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Aïe! Bon, bah, si vous me protégez la plaie, ça va, mais bon. Quand même. Il commence à perdre de sa santé. Alors, dévorons sa chair. Pardon? Mais c'est moi qui. Je suis en pleine forme, j'ai 30 ans! Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters.
Les mecs, c'est pas possible, les mobs sont trop forts en vrai. Attends, mais vous la trouvez sexy? Vous savez que je préfère les petites à côté que largement, genre. Je les ai trouvées jolies, moi. Elle est dégueulasse. Hein. Bon, bah, on est bien là! Alors. Okay. Non, c'est pas ce que je pense là. D'accord, c'est totalement ce que je pense. Bon, après, on n'est pas un doigt près, hein. Bon, bah, c'est un peu ouvert, mais. On les met dans le feu, ça cautérise, non? Corétise, cautérise. Vas-y, tu mets de l'alcool et c'est bon. Ça va piquer, hein. Oh, ça, ça se vend, ça. Stimuli. Parce que là, c'est la chambre de la meuf, là. On lui a volé son verre de vin. Je peux vous dire qu'elle va pas s'en remettre. Y'a rien d'autre à stimuler là? C'est un piano? Ah non. Putain, y'a rien les mecs. Stimuli zéro. Nada. Oh putain, on est mal rendu là. Un vieux stimuli, rien de plus. Je vais stimuler cette pièce. Rien. 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 Ok, quelque chose. Open. Putain. Quel enfer. Rien en deux pièces. Et c'est... D'accord. Bah attends mais... Y'a un problème là. C'est la cheminée ça non? On va totalement passer dans la cheminée là. Ah non. C'est un trap. Oh, je suis un monstre. Non mais sérieux, récompensez-moi quand je fais des trucs bien comme ça, le jeu. Votre problème, c'est que jamais j'ai des récompenses. Ça, c'était dur à trouver, ça. Ok, j'ai une bague. Qui a ouvert la porte. Je peux m'y glisser. Je sais pas où c'est que j'atterris. Hein. Si je fais la map, là, je suis vers où, là? Ok, moi je me suis fait attraper ici moi, j'étais ici hein, c'est ça? En gros si je reviens en arrière, je reviens à l'endroit où je me suis fait attraper. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? L'ange de la colère méprise les hommes depuis les hauteurs. L'ange de la joie sourit en silence des écrits de sagesse à ses côtés. Ok, les amis, il y a un truc là. L'ange du chagrin pleure de solitude depuis les profondeurs d'un lieu sombre. Ok les amis, c'est une énigme de catégorie S je pense. L'ange du plaisir s'épanouit dans l'appréciation de l'art. Ok, lui je l'ai pas compris. Ça se bouge ou... Ah non mais rien à voir en fait. Je pensais qu'il y avait une énigme de catégorie S mais je ne peux rien faire en fait. Je peux juste mettre des trucs mais ça sert à rien quoi. Après il y a peut-être un truc qui passe dedans mais... Non c'est de la merde en fait, faudra juste mettre des objets dedans. Ok d'accord. Ok, je m'attendais à une super énigme. Oh putain, par contre... Alors, attends, là, il y a un... Moi, je peux peut-être ouvrir la porte de ce côté-là, quand même, non? Du côté extérieur, comme ça, au moins, j'ai l'ouverture, parce que c'était fermé tout à l'heure. Là, je déverrouille, comme ça. Voilà, voilà. Voilà. Est-ce que je vais pas sauvegarder en speed? Je pense que je vais save. C'est cette pièce, il me semble. Quoi? Comme nous nous retrouvons. Vous? Qu'est-ce que vous faites là?
Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais. J'ai un peu plus de thunes, mais... En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Tu veux pas me faire des prix, frérot? Parce que c'est la merde, moi, de mon côté. Hein. À votre service. J'ai combien, là? Non, mais j'ai rien, en fait. Enfin, je ne peux rien t'acheter. La marchandise est plus important. Ouais, je peux prendre des petites munitions de temps en temps, ah, mais... Ah, ça oui, mon ami. J'ai pas envie de dépenser en munitions, les mecs. Franchement, moi, il faut que je graine les gros trucs, là, vous voyez. On est d'accord ou pas? J'ai combien de balles, là, en vrai? Parlons Soyez peu, parlons bien. Prudent. J'ai 5 balles et 20 balles. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Vent. Je crois que j'ai rien, là. Ethan. Ah, si, le verre. Oh, le verre à 3500 balles. Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. Ah oui, non, mais là, tout change, là. Là, tout a changé d'un coup, là. Ok, faut jouer très smart. Donc ça augmente les... puissance, cadence de tir. Alors, attends, laisse-moi regarder. 8000. La cadence de tir, je peux pas l'augmenter, si j'ai bien compris. 4000 pour recharger plus vite. À chier. Et 6000 pour la capacité. Ok. Le petit pistolet, je pense que je vais... Ou alors, je joue only petit pistolet. Ah, ça se tient, là. Ah, je sais pas. Non. Ne fais pas attention à ta gueule, je suis en train de réfléchir. Élément pour un fusil augmente grandement la cadence de tir. Permet d'apprendre à fabriquer les cartouches de fusil via le menu de confection. Ça, c'est pas mal, hein. Les mecs. Déjà que j'apprenne à fabriquer les trucs, non? Moi, je prends ça, je pense. Faut que je puisse faire des pompes. Mais putain, y'a plus de modo dans mon chat. Y'a l'autre débile. Mais par contre, il a changé ses pseudos un peu. Je dirais plan ou économiser. Moi, je pense que je prends ça et j'économise. Ça vous va ou pas? Comme ça, on sait faire des pompes. Parce que les balles de pompes sont fortes quand même. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. À l'approche. Et je regarde comment on fait des balles de pompe, du coup. Et des balles de pompe, les amis, c'est une poudre noire, une ferraille et un flux chimique. C'est-à-dire que là, je peux même faire 3 balles. Je vais peut-être les faire. Hein. Bon, quoique... En gros, c'est soit 3 balles de pompe, soit 15 balles. J'ai aucune idée de si j'en fais, par contre. Bon, je suis content de mon achat. Je sauvegarde. Attends de voir les armes que tu peux avoir. Oui, c'est ça. En gros, ce que je sais, c'est que je vais sûrement spammer une seule arme. Mais je sais pas encore laquelle. Ce sera peut-être le pompe, peut-être le machin, tu vois. Mais je vais sûrement jouer qu'avec une seule arme. Donc là, je vais pas augmenter tant que je sais pas, tu vois. Après, je pense pas que je vais jouer avec le petit pistolet. Hein. À mon avis, je vais jouer avec le pompe ou un truc comme ça. Donc je vais jamais augmenter le petit pistolet, à mon avis. Putain, il est trop bien le Resident Evil en vrai. Notre rôle, il est vraiment bien. Je suis content. Genre il est vraiment clean as fuck. Bon c'est que le début tu vois, mais j'arrive à voir l'ambiance et tout. Et tu vois ils ont refait un château comme dans les premiers et pourtant il passe giga crème quoi le château. Genre je trouve différent. Il a mis un baobab, il y avait pas ça dans le premier. Il y avait pas de baobab dans le premier. Attends j'ai stimulé un truc de fou. Ah non pas du tout. Ok. On va monter les escaliers, je pense. J'espère que j'ai rien raté dans la pièce. Ok, là, je suis premier étage. Let's go. Putain, les mecs, dès que j'ai de la thune, je suis trop heureux, en vrai. La thune, ça va être vraiment le plus important. Let's go. Putain, vive le stimuli, bordel. Vous savez que je vais faire le tour, là. Vous me connaissez, hein. Je vais faire le tour, je vais aller dropper de l'autre côté. Je suis quelqu'un comme ça, moi. Je vais vraiment le faire, hein. Je suis en train de le faire, hein. Personne ne peut m'arrêter, hein. Et c'est 380 balles qui partent. Putain, mais on comprend rien avec tes trucs.
Ah, impossible d'utiliser ça tel quel. Ça veut dire que potentiellement c'est possible. Juste que pas tel quel, quoi. Oh putain! J'ai fait avoir une dinguerie supplémentaire. Bon. Je vais tester la porte centrale déjà. Là, mon stimuli est broken. Un fuite chimique. L'histoire viticole du château Dimitrescu remonte. Elle combine les techniques traditionnelles et un procédé dont elle a le secret pour enchérir l'intensité des saveurs du vin et lui confère un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. D'accord. Très bon vin. Bon. Oh, on peut pas casser les bouteilles. Oh, c'est de la merde par contre. Rien dans cette pièce ou je rêve? Bah si, il y a ça quoi, mais je sais pas trop. Et je dirais que c'est tout. Je dirais que cette pièce était un peu à chier pour l'instant. Je vais aller à... ici. Et c'est verrouillé. Si c'est verrouillé de l'autre côté, je suis officiellement restuck. Après à peine 5 minutes, déstuck. Mais ça ne sera pas verrouillé, n'est-ce pas? Ah non, mais c'est vrai que c'était ça. Bah je suis stuck en fait. Bon bah c'est terminé de mon côté. Ah mais attends mais... Ah mais il y a 3 portes... Attends. Attends, il y a... Non, il y a 2 bonhommes là. Un bonhomme. What? Attends, what? J'ai raté ça moi? Bon le pire c'est que ça sert à rien. Attends mais... Là il y a un bonhomme à droite, un bonhomme à gauche. Une statue. Okay. Et là il y a un petit truc, ok, mais ça sert à rien en fait, my bad. Et j'imagine qu'il y a pareil de l'autre côté. Et que ça sert strictement à rien également. Ok, on est bon, on est sur la bonne longueur d'onde. Je vais redescendre un petit peu. Peut-être qu'il va arriver une dinguerie. J'hésite à aller sauvegarder, mais vous allez me traiter de sale merde. Je vais pas le faire. En vrai, je pourrais aller sauvegarder les mecs. Franchement, ça coûte rien. Parce que j'ai quand même fait un petit truc, je suis allé faire en haut et tout, tu vois. Vous pouvez pas m'engueuler en vrai. Ça va super vite en vrai. Regardez la sauvegarde, la vitesse. Regardez la vitesse. En plus, je crois que je suis pas sûr d'avoir sauvegardé tout à l'heure, je me rappelle plus. Bah, franchement, on a rien vu quoi. C'est comme si c'était rien passé quoi. Il s'est rien passé. Franchement, je suis au même endroit. Attends, il y a un ronflement là. Ça ronfle par là? Oh, qu'elles sont moches. Mais attends, mais je suis au début du jeu, non? Mais je suis un connard. Attends, mais comment je me suis retrouvé là, moi? Moi, je suis une merde. Tu peux voir, si t'as lu complètement la pièce ou pas, ouvre-la et lis en bas à côté des 3 carrés, tu vas comprendre. Oh putain, zone complétée, objet récupéré, zone inexplorée, d'accord. Mais en plus ils font ça dans tous les... Je suis con en plus, j'aurais dû le savoir en plus. Donc là t'es en train de me dire que j'ai... Oui après c'est... Attends, zone... Objet récupéré, ça... des fois je peux rien y faire tu vois. Genre là, objet récupéré, est-ce que vraiment j'ai oublié un objet ou est-ce qu'il y a un truc à faire dans la pièce? Parce que par exemple, est-ce qu'une porte fermée équivaut à une zone non complétée tu vois? Faut que je fasse des tests. Ça, je l'avais ouvert. En vrai, faut que je fasse des tests. Ah, quoique. Oh, dinguerie. Ok, ça servait à rien. Je vérifie, hein. Ça ne sert à rien. Ok, merci, mec. Merci beaucoup. Bah là par exemple, ici, à gauche, et là, oui bah normal j'ai pas tout fait parce que j'ai pas fait ça tu vois.
Enfin, j'ai pas fait le truc, je sais plus c'était quoi, mais... Ça, c'est normal, c'est normal. En fait, faut que j'y prenne attention quand il y a plus de trucs à faire avec... dans la pièce, on va dire, en soi, mais... Bon, attendez, parce que là, faut que je réfléchisse, les mecs. Après, tu vois, par exemple, dans ce couloir, c'est pas normal. Genre, là, il y a un couloir, c'est pas normal qu'il soit pas bleu, là. C'est un couloir qui est censé être bleu, tu vois. Non, ce couloir doit être bleu, il y a rien à faire dans ce couloir. Voilà, voilà, heureusement que je suis là. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais... Il est toujours pas bleu. Ok, mais c'est le couloir de l'année, ça. Il est bleu et pas bleu. Ok, le couloir, les amis, c'est la fortune. C'est le couloir de la fortune. Mais je l'ai jamais fait, ce couloir, en fait. Ok, c'est le meilleur couloir de l'année. C'est bon. C'est bon, c'est validé. Je viens de faire le meilleur couloir de l'année, là. Par contre, je ne sais absolument pas où faut aller. Hein. Les mecs, j'ai bien réfléchi, là, mais... Il y a un problème, hein. Je vous le dis, hein. Parce que c'est pas moi qui suis perdu, là. Cette porte-là est bien fermée, on est d'accord. Cette porte-là est bien fermée. Cette porte-là ramène ici. Et la porte est en haut. En haut. Et la cave à vin avec un truc. Ça me sert à rien. Il y a un truc à gauche et à droite, il y a une porte fermée. Donc là, là on a déjà un problème. Là. Les amis, je commence à turbo stuck là. Alors je repère bien les lieux. Ça, c'est bien. Genre, je suis pas perdu, j'arrive à me repérer bien dans le château là pour l'instant. Mais j'ai aucune idée de où aller là. Je pense pas que l'ennemi ici. Mais non, mais l'ennemi ici, c'est impossible. Après, tout à l'heure, j'avais lu ça, je peux peut-être recommencer. Non, mais attends, il m'arrive pas une run dinguerie là. Attends, mais c'est lui qui rentre? On est fou de ma gueule. Non mais il a pas le droit, mec. Non mais il se fout de ma gueule. Le mec me fait stresser comme un porc. Putain. Putain, j'en suis déjà à deux stress alors que c'est cette merde. Mais il est stressant, son bruit de ronflement aussi, là. Bon, les amis, là, je suis stuck, hein. Trouver les appartements de Dimitri Tescu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas trop en stream, là, on peut y passer environ... En vrai, ça dépend, tu vois. Le max que j'ai fait dans ce genre de truc où je suis un peu stuck, le max vraiment, c'est... je crois que c'était 2h30, un truc comme ça. C'est-à-dire que dans 2h30, je suis au même endroit. C'est envisageable, mais c'est pas... Genre, c'est vraiment le max que j'ai fait. Genre, c'était une maison dans... Je sais plus quel jeu... J'ai pas réussi à rentrer dedans, je m'en rappelle encore. Mais normalement, de base... Après, là, on est sur une énigme de catégorie S, hein, très honnêtement. Donc, bon... je vais regarder les objets que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai une bague. Et c'est tout, quoi. Donc, je vais me faire foutre, en fait. Attends, mais l'œil s'enlève de la bague? Attends, mais il se fout de ma gueule. Ah, mais c'est l'œil qu'on met sur le bébé alors. Ok, bah ça a duré 10 secondes en fait. Juste un monstre. Après, je sais pas sur quel bébé je le mets. Hein. On tente, il y a les mêmes yeux. C'est les pupilles, c'est les Sharingan. Oh putain. Oh non, 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 non. Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme.
Non, bah c'est... Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire. Hein? Et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Oh, je ne peux plus me tenir. Comment ça? Bah retiens-toi encore un peu là. En speed. Voilà, retiens-toi là. Ouais, je pense qu'elle est bien retenue là. J'ai trouvé le bon endroit, je suis content. C'est mon premier jour de travail au château aujourd'hui, j'ai été étonné de constater que toutes les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas. D'accord. C'est vrai que quand t'es c'est un peu chelou, mais bon. Ok, j'ai pas fait la pièce, hein, les mecs. Hein. Ça veut dire que là, faut que je loot. Oh ! Ok. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas looté la pièce. Ok, j'ai looté la pièce. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mais je peux pas... Eh les mecs, je lui mets un coup de pompe de loin, en vrai. Ça c'est un truc, vous voyez, dont le jeu ne peut pas s'y attendre, ça. Ça, c'est un truc qui peut clutch. Parce que le jeu ne peut pas s'attendre à ce qu'un joueur fasse ça, en fait. Et ça peut faire la diff de ouf, en vrai. Putain, les mecs, ils me font un modo dans le chat. J'ai plus de modo, là. Bon. Il m'a pété les couilles. Je vais mettre... Lapidou. Ça part. J'ai pas réussi. Si, c'est bon. Je tire dessus, hein. Non, les mecs, je ne peux pas sortir. Elle va me voir instant, là. Elle voit un débile en train... Je tire dessus maintenant. Oh putain, elle s'en sort bien. J'allais la tuer. Je pense que j'allais la one-shot. Ok. Mais là vous savez qu'avec mon pompe, il peut rien m'arriver. Hein. J'ai un bon pompe, moi. Hein. Mes coups de pompe, ils ont fait le taf depuis le début. Hein. Franchement, j'en suis fier de mes pompes. Oh, et tout n'est pas loot, hein, les mecs. Hein. Tout n'est pas loot. Hein. Je descends. Si je vois qu'ici, il n'y a rien à loot, je remonte. Hein. Que ça soit bien clair. Hein. Après, ça, c'est une pièce à part entière. Non, non, regardez, c'est une pièce séparée, il y a un petit trait. Je pense que j'ai pas tout loot ici. Hein. Je remonte, hein, je m'en bats les couilles. C'est fini à l'époque. Ah bah ça doit être ça. 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 Attends, mais là il manque quoi à l'eau ? Ah, ou alors c'est juste parce qu'il y a une porte fermée. Ça peut être ça, les mecs. Hein. Et donc j'aurais raison, ça veut dire que tant que les portes sont pas ouvertes, on peut pas savoir si c'est bien looté ou non. Ça se tient. Hein. Ou alors c'est juste ça. Ok, je ferme ma gueule. Ok, bon, je suis un connard. Ah non, mais non, je suis pas un connard, parce que c'est pas la bonne salle. Non, je suis pas un connard. Là, je viens de looter la salle d'en bas, mais celle-là, elle est toujours là. Non, mais là, il y a vraiment un loot que j'ai raté, au plafond. Quoi, au plafond? Je n'arrive pas à concevoir que j'ai pu rater un loot dans cet endroit. Que la personne qui sait où est le loot parle ou se taise à jamais. Et quand je dis se taise à jamais, c'est un permaban. Hein. Y'a un truc qui bille au plafond. Non mais vous parlez pas de ça quand même. Non mais vous foutez de ma gueule. Non mais... Ah bah on va bien s'amuser. Ok d'accord, j'avais pas compris que le jeu était... Ok d'accord, my bad. Alors j'avais pas compris que le jeu était aussi énervé. Ok, on va bien s'amuser sur les salles bleues, je peux vous le dire. Ok, là on m'a aidé parce que je m'attendais pas à ce que ça soit un truc très... Je peux peut-être faire balancer ça. Attends, je suis en train de parler en fait, Ethan. Tu m'as coupé la parole en fait. Je suis en train de parler à mon chat, Ethan.
qu'est-ce que tu fais? Parce que là, je tire, là, elle arrive en fait, et tu meurs en fait. Donc c'est moi qui décide, Ethan. Ouais, je pensais pas que c'était aussi énervé, my bad. Mais maintenant que je sais, je vais être plus assidu. Trust in light. Ok. Il a dit quoi, Ethan? Oh oui, bien vu. Excellent. Je suis en train de clutch. Non. Ah si, mais bien sûr, regardez. Mais bien sûr, Croco. Mais ton level est stratosphérique, c'est ça ton problème dans la vie, en fait. Bah oui, bien sûr. Il est bon, hein, le streamer que vous regardez. Vous le trouvez bon, quand même? Bah, vous le trouvez plus haut que la moyenne. Je vois rien. Oh, la salle est bleue! Oh non! Non, mais alors, c'est hors de question que je regarde en fait. La salle est bleue, je cours tout droit. Ah bah, avec moi, il y aura du gain de temps. Oh putain, la salle est rouge. Et la salle est grande, hein. Désolé, mais là. Ça va stimuli sec là. Je peux pas prendre la pince là. Ok, on va stimuli par là. Par contre, je stimule, mais il n'y a pas grand chose là pour l'instant. À moins qu'il m'arrive d'autres dingueries, mais. Candidate: Irina, Mianella, Lois, Ingrid. Rejeté: Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Méline, Astrid. Ok, j'imagine que c'est au poste de truc là. De maîtresse de maison, je sais pas quoi. Très peu de loot jusqu'à présent. J'en serais presque déçu. Non, mais attendez, c'est pas possible. Ah non, mais là je sens que ça va être rouge très long. Là on y a pour un moment. Là vous me connaissez pas, mais... Irina, appétit vorace. Mialena, appétit vorace. Loïd, appétit vorace. Ingrid, instable. Reprend parfois conscience. Ok les amis, ça veut dire qu'il y a un des quatre monstres qu'on peut potentiellement parler en fait. C'est excellent. Donc moi je vais vraiment parler avec Ingrid en fait. Et des fois je vais le... Oh, c'est une très très bonne note que j'ai là. C'est une note qui me permettra, si jamais j'entends un moment parler d'Ingrid, je sais que c'est une personne qui peut récupérer ses esprits et donc m'aider en fait. Pardon? Il y a du loot? Bah là je veux plus vivre, là ça y est. C'est fini, j'ai plus envie de vivre. C'est bon, c'est fini la pièce? Bah non, bien entendu, hein, je me disais tout ça dans une... Ouais, par contre, blague à part, là, c'est... Plus personne rigole, là. Et là? Et là? Let's go. Let's go! Ok, D'ailleurs, j'ai pas mal de trucs, là. Hein. En vrai. On voit pas très bien par contre. Remède. Attends. Une plante, 4 fluides, 7 machins. Ah, je peux faire des balles, hein. Le truc, c'est que si je fais des balles. Si, je peux faire des balles de pompe. Je crois que j'en ai fait, là. Je peux faire un soin. Ouais, c'est bien. Vas-y, je vais faire ça. J'ai 10 balles de pompe, hein. Oh putain, une nouvelle zone rouge. Oh, c'est pas possible, hein. Bah attends, mais c'est un mob ça. J'économise, hein. Attends, ils sont beaucoup. Je peux pas économiser. À moins que je run. Je fais un run. Run. Je dodge le loot. Open, c'est terminé. C'est une catastrophe. J'essaie de rentrer dans ce trou. Allez, c'est bon de mon côté, j'ai fini. En vrai, j'ai utilisé que 2 balles. Jamais j'aurais pu loot plus que 2 balles. Impossible. Mon taux de loot aurait été trop fort. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Hein? Alors, tu es Ingrid? Ingrid?
Ingrid, j'ai une question. Le sang est... Non, arrête, c'est pas drôle. Ingrid, je suis perdu. Non, c'est pas drôle, vraiment. Je ne trouve pas la sortie, Ingrid. Ingrid, je suis perdu, Ingrid. Non, mais je suis une merde, en fait, Ingrid. Je pue la chiasse. Quel supplice. Attends, je viens d'où, moi? Gauche. Là, je regarde, là. Gauche. Droit. J'ouvre cette porte, ça vous va? Les mecs, vous pensez que je vais là ou là? Un ou deux? Un ou deux? Ou trois? Non mais les trois, on va se retaper les autres mobs. Hein. Trois, c'est d'où tu viens? Ouais, je sais. Mais il doit y avoir encore les mobs. Ok, vous voulez un. Donc gauche, tout droit, droite. Préfères-tu? Gauche, tout droit. Ça lag. Ça lag. Mets du loot. Tu es au menu. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Ingrid. Ingrid. Reprends tes esprits, Ingrid. Ingrid, tu n'es pas Ingrid, toi. Tes balles ne font rien du tout. Ouais, bah j'ai remarqué. What? Qu'est-ce qui se passe? Espèce d'imbécile. Il aime pas le froid. Ok. Oh, bah je suis merde. Ok, je suis en train de faire cut. Petit loot. Ingrid, tu énerves Ingrid là quand même. Ok, ça c'est vraiment un gâchis. Et attends, Ingrid. Moi je reste dans le froid. Hein. Mais pourquoi elle s'en bat les couilles du froid d'un coup là? Je comprends, hein. Vous voulez que je reparte? Vas-y, je repars. Elle m'a pété la gueule. Elle m'a défoncé. Elle m'a pris l'anus et elle me l'a... Non mais c'est fini en fait. J'ai pas compris la technique. Ok, my bad. Attends, mais ma dernière sauvegarde il y a 25 minutes. Non mais je vais péter un câble. Non. Ok, ça va, attends. Attends. Là, y'a le meuble là ou pas encore là? Ok, donc en gros je reprends depuis Ingrid en fait. Enfin c'est pas Ingrid mais on a compris. Et là c'est fermé là. Ok. Ok, donc là y'a Ingrid qui va proc et je dois aller juste tout droit. C'est ça? Ok. Nous n'en serions pas là, j'ai pas compris, Cassandra hein. T'avait tué. Vas-y Ingrid, passe un peu sur le côté là, en speed. Ok, nickel. Voilà, nickel Ingrid. Ingrid qui n'est pas Ingrid. Je suis perdu, c'est fini, open. Je viens de faire n'importe quoi, je suis dans un mur. C'est quel fini. Supplice préfères-tu? C'est terminé. C'est terminé. Bah oui, c'est terminé, je suis une merde. Bah je suis une merde. Je veux me noyer. Par contre, j'ai pas compris, hein. Je prends le petit pistolet. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Ou alors, moi, je dois sauter par la fenêtre? Je pense pas, hein. Tes balles ne font rien du tout. Attends, là, les balles qu'il utilise, c'est pas les miennes, quand même. J'espère que c'est de la cinématique, hein. Parce que s'il m'encule 4 balles comme ça, ce... Espèce d'imbécile! Bah moi j'ai fini là. Là j'ai... Y'a un problème.
Il y a clairement un problème. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Ah mais peut-être qu'il faut tirer dessus hein. Je ne ressens aucune douleur. Mon corps, il se décompose. Je vais te trancher la gorge et la remplir. Ça marche pas. Au moins on aurait pu utiliser, ça veut dire que ça sera pas ça hein. À moins qu'il veut que je fabrique d'autres munitions, mais de toute façon c'est trop tard là. J'aurais pu mais... il te saoulait, guys. Enlève tes mains. Oh, elle m'a dit enlève tes mains. Attends mais je peux pas me heal moi. Attends, y'a pas un monde là où j'ai du heal. Attends parce que là elle est en train de me tirer dessus au... à l'instant T là mais... Bah c'est open. Ok, je tirais peut-être avec 3 balles de plus. Peut-être. Franchement, je sais pas. Je vais crafter les balles avant. J'ai l'impression que je faisais des dégâts, non? Vous avez pas senti que je faisais un peu de dommage quand même? Je vais crafter plus de balles. J'ai un heal et je vais crafter des balles. Ah bah de toute façon, je peux pas en crafter plus. Donc au maximum, j'en ai... Et je peux pas faire plus. Ouais, je faisais mal, mais... Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Quel supplice préfères-tu? T'inquiète, ma grande. Ce que je vais te mettre, personne ne te l'a jamais mis. J'ai pris des balles de quoi, là? Je suis en train de full loot. Vous savez que là, je peux refaire une potion, par contre. Attends, mais là, c'est du trolling. Je vous jure que je peux en faire deux là. Mais j'en ai deux. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Là j'ai deux potes, 11 balles de pompe. Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile! Monsieur honteux, madame! Comment oses-tu t'attaquer à nous? Petit insolent! Impossible! Abandonne! Je vais te trancher la gorge et la remplir de fer! Connasse! Non, tu me tues pas là-dessus alors que j'ai un V9, hein, par contre. C'est bon. Oh putain, j'ai gâché une balle. J'ai envie de reset. J'ai gâché une balle. Alors ça, c'est intérêt à me donner pas mal de loot, ça. Ok les mecs, j'ai un V9. Merci beaucoup Linux, merci beaucoup. Merci pour les 15 mois. Moi j'ai une question, le chat, oh là là, mais j'ai trop de balles de pistolet, c'est pas possible, là faut que je les burn. Non les mecs, j'aurais dû le faire au pistolet en vrai. Après j'en aurais eu beaucoup plus, mais là j'ai 50 balles de pistolet les mecs. Au pire fallait peut-être juste en pot. Non vous déconnez, vous pensez qu'elle se serait glacée? Non non, je pense qu'il fallait que je tire hein. Ah tu me mets le doute mais... Non on va avancer comme ça mais c'est terrible, c'est peut-être terrible. Le loot, bah j'ai loot non? Ah oui regarde, oh, t'as raison la pièce. Non mais c'est bon regarde, elle est bleue. Par contre la cuisine est rouge hein. Ma cuisine est rouge. Ah, rouge de viande visiblement. Oh putain ça c'est du bon loot ça. Ah c'est pas le sang de vierge là? Un millésime? Ah mais c'est le Sangus Virginis. On va se régaler. Une autre servante a été renvoyée au sous-sol, son seul crime étant d'avoir renversé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas, plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée. Ah non mais d'accord. Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée, la pauvre n'avait plus que les peaux sur les os. Elle est en train de ronger la carcasse d'un rat, j'ai peur d'être la prochaine. Ah ouais, c'était déjà pas ouf de base en fait. Là je vois le délire ouais.
C'est bleu ou pas? C'est bleu, mesdames et messieurs. C'est un très beau bleu que nous avons là. Et là, nous sommes sur un rouge, mais c'est crocheté. Donc, dans tous les cas, je pourrais pas savoir si j'ai tout loot. C'est quoi cette dinguerie? Modifier arme. Augmente grandement la puissance de feu. De quelle arme? Ok. D'accord, donc par contre, ça a enlevé mon plein écran sur le jeu. C'est très fort comme arme. Hein. C'est quand même une arme. Ça a tellement de recul que ça m'a mis en fenêtrie en fait. C'est. Ça m'a. Ouais, là, c'est pas mal en vrai. Celle-là, je m'y attendais pas, j'avoue. Bon, oh, un crochet. Let's go. Au pire, je pense que je peux faire direct, non? Un klaxon! Ok, ça se mate ça, non? C'est le genre de truc qu'il faut que je regarde. Attends, le sang déjà, il y a un truc analysé ou pas? Bouteille. Ok. Non. Et l'ange de bois, bah, sûrement peut-être un truc à vendre alors. Ouais. Eh, j'aurais trop de thunes, les mecs, je vais être trop heureux, putain de merde. Oh la thune! La thune que je vais me faire, putain. Oh, je vais me régaler, bordel. Non, je suis trop heureux. Non, y a pas à dire, des fois y a des jours comme ça où vous êtes trop heureux, c'est normal. Attends, mais ça je reconnais, c'est une sauvegarde. Hein. Et là c'est totalement une sauvegarde, hein. Tout droit. Après, attends, la salle à manger, j'étais déjà allé ou pas? Non, j'étais pas allé. Je peux regarder s'il y a pas du loot. Loot salle à manger parce qu'il peut pas arriver de dinguerie. Je crois que je sais où on le met le truc du sang, les mecs. Je viens d'y penser là. Attendez, je loot vite fait la salle à manger. Attends, mais me dites pas qu'il y a rien dans une salle à manger, c'est un endroit only loot normalement. Non, c'est pas possible. Ou alors il y a rien, il y a que le crochet. J'aurais du mal à enfin la porte. Ah mais attends, mais là vous avez vu que c'est extérieur hein, de là par contre. Hein. Ah. Et de toute façon, tant que je peux pas ouvrir la porte, je considère que la zone restera rouge moi. Ça j'en suis quasiment sûr. Mesdames et messieurs, j'abandonne cette zone. Je vais sauvegarder et je pense que je sais exactement où faut que je foute ma bouteille de vin. J'espère juste qu'il m'arrivera aucune dinguerie jusqu'à la porte. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose. Oh, mais attends, en vrai, j'y vais direct. Merde, j'y vais directement maintenant. Bienvenue. Attends, mais déjà, je vais te vendre des trucs. Tu vas me dire combien ça te coûte? Ah, donc là, tu me donnes 4000 là. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Là tu me donnes 5000 là. Non mais frérot. Et je suis le roi du pétrole les mecs. Attendez, vous êtes en train de me dire que là j'ai 15 900 là? J'ai du nouveau en stock. C'est quoi du nouveau? C'est mon moment préféré mais en même temps c'est tiraillant dans chaque jeu ça. Quand tu dois te stuff comme ça. Le M189-7, c'est mon pompe ou c'est mon petit fusil? Première question. Sniper, on verra plus tard. Valise, augmente le nombre d'emplacements disponibles dans votre inventaire. Pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression. Je regarde mon inventaire un peu. Bref, et moi. Pour l'instant, franchement, mon inventaire est ok, hein. Ah, si vous je pourrais recharger, je gagnerais de la place. C'est mon pompe? Ok, donc je peux augmenter la cadence de tir de mon pompe. Allez-y, n'hésitez pas à acheter un œil. Ce qui est pas mal. Vous savez, dans tous les Resident Evil, les pompes, ils sont forts, ouais. On pourrait faire une game only pompe. L'inventaire, c'est broken. Ça l'est, mais pas tout de suite, je pense. Les mecs, moi j'aurais tendance à... Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Cent, 130 à 140, c'est les dégâts? Je passe de 130 de dégâts à 140 pour 6000, c'est vraiment très peu. Hein. Ils vont bien se faire foutre par contre. Hein. De dégâts de plus sur le pompe, alors que sur le petit fusil c'est 10.
Excusez-moi du peu, mais... C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Élément pour une arme de poing ? Je comprends pas, c'est quoi une arme de poing ? C'est le couteau ? Augmente grandement la capacité... Je ne comprends pas ce... Je ne comprends pas ça. Là, il y a la cadence de tir qui est augmentée, là. Ok, c'est mon pistolet. Non, mais les mecs, moi, j'adore ces endroits-là. C'est l'endroit où je peux rester le plus de temps au monde. Je veux augmenter la cadence. Je veux augmenter, là. Une modification comme j'ai envie d'être un joueur pompe. Prend qu'un instant. Mais j'ai plus de balles, attendez. J'ai plus de balles. Je vais me calmer pour la capacité. Attention à moi. Et je vais prendre quelques balles de pompe, quand même. C'est quand même 1000. Je vais en prendre... C'est combien ? C'est 3 ? Attends. 5 ? Je sais pas. Un choix intéressant. Tu m'en as donné combien, là ? Revenez quand vous voulez. 3. Putain, c'est cher. Ah, oui, oui. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je m'arrête là. Vous partez déjà ? Je m'arrête là. J'ai augmenté vite fait mon pompe, j'ai 4 balles. Mais j'imagine que j'ai peut-être de quoi déjà farmer, non ? 1, 6, 1, 1. Non, il me manque un peu de ferraille. Et je pourrais me refaire quelques balles. J'ai un medikit, j'ai beaucoup de balles de pistolet. Donc j'essaie de les économiser, de les utiliser un peu en vrai, mes balles de pistolet. J'ai un peu de mal avec le pistolet de base en vrai. Enfin, quand je vois qu'il faut 8 balles dans la tête, mes couilles là. Ouais, je disais pour la bouteille de vin, je pense que je sais où ça va. Ça va dans. Attends, c'est là et en haut, je crois. Il y a une sorte d'endroit qui me paraissait logique. Enfin, je sais pas, hein, c'est mon esprit qui dit ça, mais là, non. Alors, en plus, c'était... Oui, oui, c'est ça, c'est la Winner Room. Là, ça me paraît très logique. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas été super smart, mais au moins, on l'a fait vite, ça.